Chers amis, je te souhaite un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Jérusalem, Ira Kodesh, la ville sainte, notre paracha, paracha de Mayera. Avraham Avinu a fait la Brit Mila, on annonce la nouvelle que Yitzhak va naître, Yitzhak naît, et Sarah voit, après quelques années, que Ishmael embête Yitzhak, Metzachekito. Metzachek, Rashi dit trois choses. 1. Interdiction sexuelle. 2. Assassinat. 3. Idolâtrie. Elle dit à son mari Abraham, Ishmael n'héritera pas avec mon fils Yitzhak. Abraham lui répond, fais ce que tu veux d'elle. Et elle commence à torturer, c'est-à-dire lui fait faire des travaux très difficiles. Hagar, la mère d'Ishmael, et pour finir, elle fuit avec son fils, qui est malade. Et il faillit mourir, elle se met à pleurer, le fils aussi, et Dieu écoute la prière surtout du fils et le sauve. Les anges vont voir Dieu lui dire, mais Ishmaël fera beaucoup de mal à ton peuple dans le futur. Dieu répond maintenant, il est tzaddik ou pas? Il répond, il est tzaddik. Et donc Dieu décide de le sauver. Et de là, chers amis, tous nos malheurs. Il est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le plus vieux de tous les Midrashim, que Ishmaël est appelé ainsi, Ishmaël, c'est le mec que Dieu écoutera, parce qu'à la fin des temps, il nous fera tellement de persécutions, qu'Am Israël va crier à Dieu, et Ishmaël, et Dieu écoutera. C'est un verset de Tehilim, Ishmaël veyahanem, Dieu écoutera et nous répondra. Ça veut dire que nous devons beaucoup, beaucoup nous tourner vers Hachem, prier toutes nos forces. C'est le seul moyen pour qu'on soit sauvé de Ishmaël. Avec maintenant, il semblerait une menace de Gog ou Magog, peut-être les Iraniens viendront, ça a été écrit dans le journal, ils viendront par la Syrie, la Jordanie. Je me fie beaucoup aussi de la Turquie. La Turquie, hier, a coupé tout contact avec Israël et a une armée des plus fortes du monde, 800 000 hommes, c'est énorme. Et Erdogan, c'est un fou. Il a déjà dit qu'il viendrait des fois conquérir Israël. Et c'est très facile pour lui parce qu'il n'y a personne qui l'empêche. Depuis la Turquie pour venir en Israël, il n'y a que la Syrie et le Liban et il pourra facilement passer par là-bas. Donc, chers amis, il faut qu'on se mette à prier que Dieu nous sauve des Ishmaélim. Dans la paracha de fin de passé, c'est marqué qu'il sera Péré Adam. Péré Adam. Littéralement, un homme sauvage. Mais c'est écrit à l'envers. C'est marqué sauvage homme. Le Maharil Diskin, un des grands sages d'Israël, il y a 150 ans environ, a dit en hébreu, le premier mot, quand on veut qualifier un mot, à quelqu'un, quelque chose, alors d'abord on dit le nom, après l'adjectif qualificatif. Donc on aurait dû écrire Adam Pere, un homme sauvage. Lui il dit, ça reste d'après les lois comme ça, que le premier mot c'est le nom, et le deuxième mot c'est l'adjectif, le qualificatif. Donc en fait, le nom de Ishmaël, c'est péré, sauvage, ça c'est son essence même. Après, il a un qualificatif qu'il est aussi être humain, il est aussi un homme. Donc comprendre qu'on a un ennemi ici acharné, qui nous hait, comme Bibi Netanyahu a dit au peuple iranien cette semaine, vous avez un gouvernement qui a dépensé des milliards de dollars pour nous attaquer alors qu'on ne leur a rien fait, on est près de 2000 km séparés. On n'a pas attaqué leur terrain pétrolifère, on n'a pas pris de leur terrain, simplement par haine du peuple d'Israël. Comme j'ai déjà dit souvent, les Iraniens, c'est Amalek. Hitler les avait invités en 1935, leur disant qu'ils profanaient de la mer, la même source arienne, en iranien, en perse ancien, on appelle la Perse Ariana. Donc c'est Arien, vraiment. Et ils continuent, donc comme Hitler et Marshmallow, la haine, tout à fait irrationnel le peuple d'Israël, même au point de se suicider, parce que s'ils attaquent Israël, et comme ils le disent l'Amérique aussi, l'Amérique en fera une bouchée. Donc chers amis, il faut comprendre que la situation n'est pas aussi plaisante qu'on pourrait le croire. Non seulement il y a des blessés et des morts presque tous les jours, mais ce qui nous attend semble être une grande attaque venant du Nord, dont parlent les prophètes déjà il y a 2500 ans, Gog ou Magog. Alors, beaucoup ont dit que la souffrance de Gog ou Magog est déjà va se passer dans la Shoah. Oui, on espère. Mais quand même, quand ils vont arriver tous contre Israël, on devra crier toutes nos forces. Comme Bnei Israël qui sont arrivés au bord de la mer Rouge et ont crié à Hachem et étaient complètement transis d'effroi. Et Dieu a écouté la prière, ouvert la mer. Ainsi, Dieu nous fera des grands, grands
miracle, Bezrat Hashem. Attendant, il faut beaucoup se renforcer, faire une grande tshuva, se rapprocher d'Hashem, prier aussi que la situation aujourd'hui soit plus facile, parce qu'elle est très difficile. Et Bezrat Hashem, très bientôt, on vivra un Gog ou Magog sans aucune douleur, et ma chair se dévoilera et nous sauvera. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Om Vouach.